Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble le rouget avec une crème de pommes de terre, cresson et laitue. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a bien sûr deux beaux filets de rouget, margarine végétale à base de soja, des pommes de terre, du cresson, une laitue, 20 centilitres de lait, un petit peu de sel bien sûr. Alors les pommes de terre qui sont ici, j'en ai déjà épluchées, coupées en morceaux et cuites dans de l'eau avec 3 feuilles de laurier, comme si on faisait des pommes de terre pour une purée, tout simplement. Hein. On va mettre les pommes de terre dans notre blender. On va rajouter le lait. Et on va déjà mixer une première fois. Alors, on a mixé les pommes de terre et on a obtenu, regardez, quelque chose qui a, hein, qui est quand même assez consistant. On va rajouter notre cresson. Alors, on le voit, hein, ça commence à changer de couleur. Avant de rajouter la laitue, ce qu'on va faire avec la laitue, c'est qu'on va... On a chauffé un petit peu l'eau de cuisson. Et puis, on va venir tout simplement la blanchir. En remuant bien, en la mettant des deux côtés. Voilà, donc une fois qu'on l'a passé une petite minute, on voit que c'est bien bien chaud. Et on vient mettre la laitue tout simplement dans le robot. On appuie et on remixe. On va rajouter le sel. Et donc on a pratiquement hein, une sorte de belle soupe épaisse comme ça. C'est pas vraiment une soupe, pas vraiment une purée. On est un petit peu entre les deux. Maintenant, on va cuire nos rougets. Alors, les rougets, ça cuit en 2 petites minutes. Ça va très, 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 très vite. Alors, on va commencer, bien sûr, côté peau. Voilà. On va d'abord laisser colorer. On va déjà assaisonner un tout petit peu. Attention que c'est un poisson très fin, hein, donc très peu de sel. Hein. Donc, on a fait 1 minute 30 côté peau, position 8 sur 10. Ensuite, on retourne le poisson. Pendant 1 minute, j'ai coupé la poêle. Pendant 1 minute, on va laisser et c'est juste le temps qu'il nous faut pour verser notre petite préparation. Regardez, regardez la texture de ça. C'est gourmand. Hein. Regardez, tout simplement, mon poisson maintenant est cuit. Je vais le déposer dessus, l'autre en face. Donc, encore une fois, une bonne base pour s'amuser. Ça pourrait être, au lieu de la laitue, du chicon, ça aurait pu être de l'épinard, ça aurait pu être des fines lamelles de carottes, enfin, ça aurait pu être tellement de choses. Mais toutes ces choses-là, c'est vous qui allez les imaginer, les créer, les photographier et nous les envoyer afin qu'on les publie sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.